téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Télé Provinciale et de Jean-Aubert, Jean-Noël TV. Une fois de plus, nous allons présenter l'émission qui est pour titre Haïti Horizon 2054. Pour les gens qui sont habitués à suivre, nous avons un format de temps en temps qui a des modifications qui ont fait. Le plus souvent, c'est moi, Jean-Aubert. Mais depuis une ou deux semaines, nous commençons à modifier le format. Nous avons gagné Maxime Fils, nous avons gagné l'agronome Philippe Mathieu. Je viens aujourd'hui à recevoir un autre spécialiste, c'est le docteur Michel Michel Chancy. Chassis. Et Jean-Aubert, bonjour et bonjour, monsieur Michel. Comment nous y est? Jean-Aubert, comment nous y est? Bon, moi, comme vous, ma forme. Et salut à toutes et à tous, salut à toi et salut à Michel. Bon, je dois dire secrétaire d'État à la production et animale, parce que c'est le secrétaire d'État à la production, l'ex-secrétaire d'État à la production animale que nous allons recevoir, je veux dire. Donc, nous pas faire émission, même j'en ai habitué faire là. On va essayer et garder et rapidement qui bout de Michelier. Et puis, nous allons regarder comment l'actualité a été jeudi. Hein, et puis, et on va faire Michel commenter pour nous. Et on va faire Michel commenter, nous faire Michel parler nous de comment il la situation par rapport à la même période l'été dans le gouvernement qui passait. Et pour qu'on fasse un éclairage. Et on a terminé sous Sarah Douélé en perspective 2054, mais à partir d'aujourd'hui. Michel, comment est-ce? Bonjour Jean-Robert, bonjour Rénal, je salue tous les téléspectateurs et téléprovinciales. Je vous remercie en pile pour l'invitation. Moi en forme, mais moi très préoccupé. On est en Haïti, on vit une situation qui est très tendue. Tout le monde et tout le monde qui est à l'étranger et tout, et il y a une situation qui est avec un pile d'inquiétude. Donc nous en forme, pas malade, nous avons goûté. Mais nous là en bas, gros pression, en bas, gros inquiétude. Ok, Michel. Nous connaissons là du Haïti, mais ça a besoin, Michel, vous... qui nous est, Michel? Bon, moi-même, moi, c'est petit deux militants politiques, deux mondes qui étaient engagés pour Haïti, c'est Adeline Chancy avec Max Chancy, deux professeurs d'école. Professeur dans le lycée, professeur dans le collège, et après ça, professeur dans Montréal. Ils ont fait 21 années exil depuis sous François Duvalier. Et moi-même, moi quitté Haïti ensemble avec eux, j'ai 4 ans d'âge, et moi retourné 5 ans, là, j'ai fini d'étudier, j'ai levé Canada. Donc, sinon, mais yo, moi apprends l'histoire d'Haïti, géographie d'Haïti, c'est avec eux. Depuis Canada, moi, j'apprends rien mais Haïti. Et moi-même, je travaille avec les paysans, je travaille avec jeunes étudiants, tout, jeunes qui sont en agronomie. Moi, c'est un spécialiste en production animale, moi, j'ai une formation de docteur vétérinaire. Et nous connaissons BET, c'est la banque paysan. BET, c'est une pique activité économique qui vient dans le pays, c'est l'élevage. Et c'est qui a produit richesse dans l'agriculture, qui a produit richesse dans le pays. Et donc, c'est avec une équipe de l'autre professionnel que je travaille. Nous avons fondé ensemble Vétérimède, dont Philippe Mathieu. Et nous continuons à travailler ça, faire travailler ça, que moi continue à faire. Journée aujourd'hui dans l'Université d'État avec l'Université Quisqueya, au témoin responsable programme santé animale et production animale dans la faculté des sciences de l'agriculture et environnement dans l'Université Quisqueya. Donc, je vais rajouter une question, non? Non, tu peux. Il y a, bon, nous, une situation qui est très confuse en Haïti, qui est stressante, et parfois, on n'a pas un adjectif pour décrire, et surtout, le monde qui a vu en Abidjan. Il est stressant pour nous-mêmes, d'ailleurs, mais nous n'avons pas besoin ouais, pour le monde qui est en Abidjan. Ou même qui est souterrain, par rapport à la réalité qu'a vécu, je ne veux dire, qu'a passé en Abidjan. Et comment on voit ça? Et comment on vit ça?
Alors, fòm di ou gen plusieurs réalités dans la même réalité. Ça, n'a pas vivre dans Port-au-Prince, ça veut dire Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Croix des Bouquets, Tabar. Ce n'est pas même bagaille que ça qui a passé dans l'autre ville province. Et en dehors de zone métropolitaine et en dehors peut-être quelques zones dans la population pas vivre avec même stress, m'te ka di, de insécurité. Que ce soit au Cap, que ce soit dans Nord-Est, que ce soit dans Plateau Central, dans Sud-Est, dans Grand-Anse, moun yo gen gros problème économique. Parce qu'à cause de crise que pays a gagné, qu'on gagne rareté gaz régulièrement, tout produit yo augmenté prix, mais insécurité a que nous connaissons Port-au-Prince, ce n'est pas li que yo même yo connaissons. Donc ça veut dire que dans toute zone qui en dehors zone métropolitaine nan, et quelques zones dans la Tibonite, population ap travail, population ap vive, population ap goumen avec sa l'habitude goumen dans conditions qui viennent plus difficiles, mais c'est pas même bagaille. Tandis que là, dans Port-au-Prince, que ce soit la plaine, que ce soit centre-ville, là, c'est vraiment une situation que tout le monde connaît, pas besoin de détails sur ça. Alors, pour moi, bon, y a un exemple. Nous connaissons que nous, côté, nous étions dans Vétérimède, nous étions montés un réseau de laiterie qui a fait transformation lait dans le pays. Les réseaux, ça, ils gagnaient à peu près 20 laiteries, 21 laiteries qui ont fonctionné normalement. Eh bien, à part laiterie La Plaine, qui c'est l'équipe Bon Repos avec Damien, laiterie Tomaso, trois laiteries, ça, qui fermaient pour peut-être insécurité. Eh bien, tout l'autre trio pratiquement a fonctionné. Dans Wanamet, nous avons un groupe jeune qui a géré les tri Wanamet, ensemble avec l'association Gédois qui est Wanamet. Nous avons les tri dans Ferrier, dans Limonade, nous avons les tri dans Plateau Central, dans Mirebalais, nous avons les tri dans Gressier, Léogane, les tri Value qui est associé avec nous tous, nous avons les tri Torbeck, les tri Somaturine, Jacmel. Toutes les trissailles, Verrette, AKS, Saint-Marc, tout a fonctionné. Ça veut dire, il y a travail, paysan yo a produit lait, il y a transformé lait, il y a vendu lait, et même plus, toutes les trissailles qu'on y a là, il y a un programme côté, il y a bail lait dans l'école. Nous avons 90 écoles, 26 000 timoun, dans quatre programmes cantine scolaire, qui a recevoir lait ça qu'il y a fabriqué dans les trissailles avec lait bœuf paysan. Donc, semaine ça, il y a une livraison qui a fait. Ça veut dire, dans toute zone ça, l'école continue à fonctionner, malgré tout ça, nous entendez, l'école continue à fonctionner avec un pile difficulté, avec un pile que sauter, avec un pile problème économique, mais c'est pas même bagaille avec, MTK dit, Port-au-Prince. Donc, c'est ça, nous vivons deux réalités. En réalité, côté, dans Port-au-Prince, dans zone métropolitaine, non. Yo vraiment nous vraiment non stress insécurité que nous pas qu'à décrire encore tellement living grave et puis dans l'autre zone provinciaux la vie a avec un pile difficulté l'a continué mon yo continue à goumer à la vie a pour yo capable occuper tête yo. Bon, Michel, nous gagnons, nous connaissons aussi l'ancien secrétaire d'État et aussi observateur tout, et de situation politique pays, ça depuis longtemps. Moi-même, à l'époque, j'étais dans le plateau central, moi-même, j'étais dans Bel-Ader, où même j'ai travaillé dans toute zone en haut, et c'est là que nous avons rencontré. Jeune garçon, nous pas trop si nous avons grand monde en anglais, j'en ai là. Mais ça, en fonction de l'expérience, ça, et ou fait comme secrétaire d'État. Et en fonction des réalités que nous avons vues aujourd'hui, qu'on est assez, et M. Gagnon qui vraiment, qui met pays en toute zone métropolitaine de Port-au-Prince, zone métropolitaine, c'est zone vraiment qui prend toute décision et politique qui gagne dans le pays. Donc, comment ou même, où est la situation ça par rapport à sortir qu'on est dans le pays? Et comme il y a des solutions que vous proposez, comment est-ce solution qui en gestation là-haut et par rapport à santé vivante d'un pays hein, en tant que chef et en tant qu'observateur? Bon, alors, tant qu'on pile haïtien, m'a dit d'entrée de jeu, m'a pas gagné toute réponse à la question, ça va bon, moi. Ça veut dire, et m'pense que, en pile moun ou pile fon moun nan pays,
Mwen dekade preske tout moun nou pou kou konen koman ap soti de bagay sa. Men kan men, fò ke nou eseye analize koz yo. Fò nou eseye kompren pou ki sa nou nan situasyon sa. Mwen men sa mwen wè genye plizye problem. Problem fondamental la, e mwen kwe tout moun kapab e admet li, son problem ekonomik. Sa vle di, ekonomi peyi a mal balanse. El mal balanse depi lontan. Dekade depi 1804. Depi 1804, équilibre pays a pas bon. Ça veut dire que nous avons un pays qui était chita sur agriculture. Jusqu'à présent, agriculture était principale activité de production dans le pays. Mais il représentait seulement 22 à 25% de l'économie. Toute reste activité, l'argent qui a brassé, c'est dans le commerce. Mais le commerce pas produit. Et puis, le commerce est pour commerce produit étranger. Donc, bagaille, ça pas produit richesse, c'est pas produit travail. Donc ça veut dire le fait que depuis longtemps ils ont abandonné l'agriculture, ils ont quitté ces paysans pour compte li à ti moyen gain qu'a fait agriculture et metsouli depuis année 80 ils ont commencé quitter produits étrangers rentrer sans aucune restriction, ils ont encouragé importation produits importés. Eh bien moun ki nan agriculture qui c'est premier richesse pays qui c'est première activité de production et bien moun sa yo c'est yo qui vivent dans plus grande pauvreté. Tout chiffre sécurité alimentaire montre que moun ka produit manger dans pays d'Haïti c'est lui qui moins manger, c'est lui qui gagne moins accès à nourriture de qualité. Et donc pi fò moun sa yo découragé avec agriculture, yo voye petit yo l'école pour yo capable chaper et puis après ça pour yo quitter pays a. Qui fait que en 4 décennies, nous venons gagner un poids dans l'économie que premier source l'argent économie pays a, c'est l'argent diaspora. Ça veut dire Haïti pas exporté et sucre encore, nous pas exporté café encore, nous exporté moun. Et c'est richesse ça que nous voyons à l'étranger qui a voyé l'argent dans pays a pour nous faire qui ça l'argent ça pour n'a pas acheter produits étrangers. 80% dans du riz n'a manger c'est du riz importé. 80% lait que n'a boit c'est lait étranger. Et donc si richesse ça c'est à l'étranger que li fait, ça veut dire travail là c'est à l'étranger. Donc on y a là nous ouais nous assister nous ouais depuis année 80 yo quantité ti moun dans la rue dans tout quartier yo qui là cap mendier et bien tout ti moun sa yo journée jodi a leur fin grandi yo gen 30 40 ans qui ça yo capable faire l'autre bagay que capable en bas domination gang yo. Et donc n'a payé yon décision qui prend depuis année 80 pour nous pas jamais aider agriculture, non seulement nous pas aider mais nous mettez un produit étranger qui vient faire concurrence avec produit la caille, ce que aucun autre pays dans région pas fait pour capable ouvrir barrière comme ça. Là Saint-Domingue yo pas accepté ça, pas un morceau poule cuisse gelé qui ca rentrer Saint-Domingue, pas un œuf étranger qui ca rentrer Saint-Domingue. Nous prenons décision pour ça produit sous place. Et depuis ça produit sous place, ça veut dire qu'il y a un travail qui est créé. Parce que, by population, on mange bon marché, ça ne résout rien si on n'a pas un travail. L'on n'a pas un travail, même si bah, la coûte 5 gouttes, on va que les cher. Donc, ça veut dire qu'il y a trop cher. Donc, ça veut dire c'est comme pour gagner un poche. Pour gagner un poche, c'est travail. Pour gagner un travail, il faut protéger le travail là pour que le travail là soit capable de payer correctement. C'est politique économique ça qui pas jamais fait. Au contraire, nous quitter pour ces produits étrangers qui envahissent le pays, qui ferment, nous dégagent des perspectives de développement agriculture avec agro-industrie, qui crée chômage, qui fait que nous quitter le pays et qui fait tout que si nous allons dans la rue, après ça, nous tournons dans la gang. Donc, quand nous là, nous pas qu'à dire que pas d'espoir pour moi-même. Depuis nous reconnaître ça, MK12, journée aujourd'hui, il y a des gens qui investissent, par exemple, dans l'État Govo. Des gens qui ont investi dans la production poule, malgré la situation pays, les gens liés là. Parce que ils viennent comprendre que si vous pas fait investissement, ça yo ou pas jamais créer travail. Et si vous pas créer travail, eh bien, pas gagner aucune perspective pour les gens qui ont fait l'autre bagaille. Soit ils ont gang, soit ils ont fait politique à Bolocho, parce que c'est là que vous avez sous son zoo. Mais Haïtien pas besoin sous son zoo. Haïtien besoin vivre avec dignité, pour ça il besoin de travail. Donc faut nous investir dans activité qui est capable de créer travail.
qu'on y a la situation vini tellement dégénérée dans Port-au-Prince, que même si travail qui te gagné, qu'on y a la insécurité à craser tout business. Mais on nous garde la situation dans la ville provinciale. On nous garde la situation au Cap, situation au Caille, situation Jérémy, situation Jacques Mel, l'activité qui a mené. Je vous dis, je pense que y a une solution qui est capable de gagner nous. C'est pour nous mettre effort pour que toute zone sa yo, qui en dehors Port-au-Prince, côté activité toujours, pour nous renforcer l'activité sa yo. Et puis, pour que nous avons un développement qui sorti depuis en dehors Port-au-Prince, pour nous avons envahir Port-au-Prince avec richesse. C'est pour moi-même, toute force, toute effort de fait dans le développement régional là. Ça veut dire, mettre structure pour ça, ça veut dire décentralisation, ça veut dire, bail, mairie, bail, toute instance locale, plus pouvoir, plus l'argent pour diaspora investir dans zone la caillou pour nous faire développement économique en région, dans département. C'est seule façon pour nous sortir dans les affaires de République de Port-au-Prince, une république qui pratiquement pas existé encore. Jobe, dans sa m'vin apprenne là, Port-au-Prince, c'est rouleau compresseur. Nous besoin décompresser Port-au-Prince pour permettre ville de province émanciper. Nous besoin tout d'autres secteurs qui investissent dans l'agriculture. Nous sommes d'accord avec le docteur Michel Chancy. C'est que nous besoin d'agriculture pour tes capital, pour tes connaissances. Et même toujours dans la position ça, petit paysan qui était chance à l'école, qui partit à l'étranger ou quand dans le pays, moment arrivé pour participer dans la question agriculture, non seulement pour être capital, mais pour être connaissance. Donc, je pense que c'est un gros chantier que le docteur mettait là et qui a espoir, qui a une possibilité encore espoir, Jean-Robert, pour le pays. Je pense que c'est Jean-Robert. Oui, oui. Et bonne précision, Michel. Vous gagnez actuellement le PIB agricole là, c'est autour de 18% lié dans la dernière information. C'est-à-dire que le PIB a un chiffre au te bail là. Et donc, oui, ça c'est une précision que je devais porter. Mais maintenant, Michel, nous avons une situation politique qui est au niveau de la zone métropolitaine. Et de Port-au-Prince. Et là, c'est où dit, nous pas gagner aucune possibilité, nous pas répondre à la question, parce que c'est une question qui est complexe. Bien, mais tant j'en tout prends pour parler de question agriculture, on va pas faire autrement, puisque vous-même, c'est spécialiste en question agriculture, surtout élevage. Donc, mais, et en fonction de l'expérience, en tant que secrétaire d'État plusieurs fois, et on connaît tout bagage à lié, même sur le niveau en secteur, mais au gain le niveau macro, qui bon, il faut toujours lier et côtoyer à chaque pire, genre Philippe te fait dernièrement. Ou même comment on voit rapidement, sans nous pas entrer dans trop de détails, au gain actuellement, il y a une solution qui est proposée par, par la communauté internationale et certains Haïtiens, ça a donné les solutions CARICOM. Ou une autre solution qui lui-même est ces solutions que Gagnon de fait a imposé, puisque c'est eux-mêmes qui favorisent le départ du Premier ministre Ariel, et ils voulaient eux-mêmes entrer en dedans la solution qu'il a proposé là. Ou même qui te vivent tout le monde, qui s'est fait en fonction d'expérience nous t'es fait en tant que secrétaire d'État, en fonction de ce qui t'est passé en 2004. Qui élément positif dans le passé que nous apprenons pour nous projeter en lumière sous présent ça? Bon, moi-même, ça me dit, c'est que de toute façon, nous avons des acteurs internationaux qui ont même fait partie de la crise. Là. Acteurs sérieux, voulez pas voulez, yo gagné mot pa yo parce que nous-mêmes nous ouvert vente pays a pour que yo gagne tout poids ça dans ça qui passe dans pays a d'une façon ou non l'autre. Tout le monde connaît que yo pas fait zam Haïti, tout le monde connaît que yo pas fait drogue Haïti,
Et nous connaissons que drogue, zam, c'est deux bagailles qui marchent ensemble et qui permettent que nous avons toute zam, toute l'argent, ça y est, qui a brassé. Donc, ça veut dire, nécessairement, acteur international qui fabriquait zam, qui achetait drogue, acteur ça y est, il a gagné pour participer dans la discussion qui pouvait faire. Parce que c'est eux-mêmes qui gagnent en partie dans le problème dans même yo, donc ça veut dire que c'est eux qui ont partie dans la solution dans même yo. Mais l'autre partie, c'est partie haïtien. Nous-mêmes, en tant qu'haïtien, est-ce que nous avons fait intelligence nous marcher pour que nous mettions nous d'accord ensemble pour nous connaître ça nous voulons faire? Parce que si c'est pouvoir pour pouvoir, n'importe pouvoir qui vient, qui a fait exactement même bagarre avec tout pouvoir intérimaire. Yo. Et donc, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qui ça nous voulait faire avec le pays, qui ça nous-mêmes nous voulait comme haïtien pour le pays noir. Donc, c'est en tant que ça qui pour gagner, pour tout haïtien, pour secteur qui voulait ou le pays à progresser, nous capable d'entendre pour une solution et pour une chita avec l'international. Qui gagne, on partit dans le problème, nan nan donc on partit dans la solution, nous capable de négocier un bagage qui gagne pour avec l'avenir pays. Nous gagnons un pile éléments qui pour ta discuter. N'importe gens, si bon gouvernement qui montait, on va commencer à parler de qu'on y a là de vider manger sous pays. Mais vider manger sous pays, on va dans tout texte qui sorti, Abdou, et ça fait que la communauté internationale là intervenue, c'est parce que haïtien grand goût. Mais pour qui ça haïtien grand goût? C'est nous pour décider qui ça n'a fait pour nous produire manger la caillou. C'est pas blanc. Quand y a la blanc lui-même, il y a un stock manger la caillou, il est bien mais vider parce que là il y a tout acheté le nom des producteurs la caillou, ça résout un problème, il y a la caillou et qu'on gagne sur plus. Parce que il y a qu'on aider pour agriculteurs yo, qu'on gagne surplus et prix yo baisser, donc là yo voyez la caillou, ça permet de résoudre nos problèmes. C'est nous-mêmes qui pour connaître pour nous dire sauver les dembrés ou aller dem dans production mais pas aller aider dans consommation, vous voyez, bye bye. Mabdou, ouais. Là, nous rencontrons Jean-Aubert, qui a une grande faculté agronomie dans le pays. C'était la faculté de l'État. D'ailleurs, nous avons travaillé dans la faculté de l'État, et pour ça que nous avons rencontré, peut-être en 87. Je vous dis, il y a presque 20 facultés qui travaillent dans le pays. Vous avez 20 facultés. Et dans tout département, il y a au moins une école agronomie. Ça veut dire qu'il y a des milliers de jeunes, petits paysans, qui fait choix pour étudier agriculture parce que yo comprendre et yo ouais même si on dit 18% mais 18% était 18% parce que l'autre 82% c'est pas production que lié c'est commerce c'est service c'est téléphone c'est pas bagaille qui a produit richesse qui pourrait qui a produit manger donc 18% reste un bagaille qui est très important parce que nous connaît que du riz c'est premier utilisation dollar qui rentre dans le pays c'est pour en acheter du riz plus de 300-400 millions de dollars américains chaque année. Donc, yes. Ça veut dire, richesse agriculture, il était premier secteur de production. Et il était le premier secteur qui employait moun. Sauf que moun qui travaille dans l'agriculture, yo nan misé. Nous avons montré un bagay là, mais par contre, si ouais, ça a son groupe qui relè et Lapin fait quelqu'un. Lapin fait quelqu'un sont un groupe de jeunes qui, depuis à peu près 3 ans, a produit lapin dans le pays. Combien yo yé? Par contre, sur là, 250 membres qui sont sur le groupe WhatsApp, ça. Il faut qu'il y ait 3 groupes comme ça. Ça, c'est des jeunes agronomes ou des jeunes producteurs qui, là, font une production que presque aucun monde ne connaît. Pourtant, il y a produit, il y a fait quoi là-dedans. Jeunes, ça, il y a des milliers. Il y a des entreprises extrêmement variées. On est capable de jouer une entreprise qui a géré les tri dans Wanamet. Qui est agrissé, ou l'autre qui est agritrac, ou l'autre qui est agrineg, tout ça yo seulement dans la zone noire, ou l'autre qui est agritrop, ou bon jeune qui a monté des petites entreprises de production et de transformation dans le pays. Jeune ça yo, c'est yo qui a venu au pays. Yo pas fait toute la journée à pchita parler politique, ça y a fait yo même, y a parlé business. Y a parlé business parce que c'est la solution pays a. C'est pas non. Fait politique pour poste, politique pour gain
onzo ou asouse. Se sa ki veritable kesyon. E si nou te pren plus tan pou nou reflechi sou sa, rapidman, antre Haitien, nou ta boujwen ki solisyon politik pou nou jwen, si nou te gen proje sa. Genyen asosyasyon avikol Haitien, avek M. Mathieu ki nan nor, yo genyen abatwa, yo genyen usine, yo genyen kouvoar, genyen Dominique Jean, genyen ferme Javek, gon paket asosyasyon e de antrepreneur ki koni ala ap fej efò pou yo travay. Men se moun sa yo ki genyen avyen peyi an nan men yo. Se yo kavin pote solusyon. Si ou ta di moun sa yo chita pou nou tande sa yo bezwen ou ap jwenn nou solusyon politik demen matin. Men, moun kap fe politik koun yan la, yo pa menm konen tout sa mabdi la. Yo pa kon yon entrepreneur sa yo. Yo pa kon yon nan jen sa yo kap fe efor yo. Alors, mdi, yo pa kon yon. Men, se pa sa yo ba importans koun yan la. Yes. Si nou menm, si moun kap fe politik, te preokupe pou konen ki sa jen sa yo bezwen pou yo prodwi, pou yo fe kob, pou yo pa anvi kite peyi ya. Ma palo de jen ke mwen menm mwen konen paske mwen te profeseur yo nan Université Kiskeya, nan Université d'État, nan Université Limonade m'ap renkontre de lot. San konte a peu près 18 lot fakulté ke genyen nan Notre-Dame, nan Caraïbes, nan Université Jean-Bertrand Aristide, nan kon paket kap travay e ki bezwen investi nan agrikulture e kap fèl aktuellement avèk Zongyo. Se la solusyon peyi a ye. Se nan travay, se nan kreye travay kondisyon. Le sa, diskusyon kap fèt, se pa an diskusyon pou konen koman premier ministre. Non, se an diskusyon koman ap retire, par exemple, tout an trav ki genyen nan importasyon etran agrikol yo. Jounen jodi a pou nou fè leta gogo, nou peye plus taks pou an bouteille de ver vide ke an moun kap achete an let tout fèt nan bouteille de ver. Et pourtant, nous-mêmes, nous pas lâcher bouteille là pour nous mettre lettre là là-dedans. Mais, pas de monde qui connaît question ça, yo. C'est ça pour yo ta vin chita, c'est sous ça pour nous vin discuter, et puis ou après que vous même pour pouvoir la décentraliser qu'on y a là, pour ou parler de vrais problèmes, yo. C'est l'âme qui veut arriver à avoir. Pour l'autre bagaille, yo, ça cap discuter, moi-même, je dois petit, je pas gagner solution, je pas dire vraiment ça qui va le passer. Mais ça m'a invité politicien yo c'est détourner toute énergie pour pouvoir pour réfléchir vrai problème pays cause problème yo et côté solution yo ye. Solution li nan production nationale li nan alliance qui pour faire entre moun qui gen l'argent et moun qui gen savoir moun qui ka travail pour nous créer travail li nan développement régional depuis nous fin fait ça ou après pouvoir Port-au-Prince a intéressé moins ce monde si pouvoir l'ichita pouvoir économique pouvoir institutionnel l'ichita dans différentes régions dans le pays. Jean-Robert, le matin des docteurs et Chancy, et ça rappelle ce qu'on dit, que le pays a développé dans les tiroirs, moi c'est pas seulement dans les tiroirs, il y a un pays a développé dans l'esprit ou ensemble de monde, peut-être qu'il va avoir une opportunité, ou peut-être y'a barré la route, parce que en dans politique, regardez, moi c'est division. Le fait qu'il y ait division, y'a pas qu'à entendre. Et le fait que vous ne pouvez pas entendre, vous n'avez pas qu'à comprendre qui ça peut vous demander pour accompagner. Par exemple, dans ça, le docteur a dit, par exemple, il y a un problème. Nous avons la sécurité. Et en dans structure la structure, nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons peut-être un service de renseignement, nous avons gagné, nous avons la justice. Donc, éléments fondamentaux pour renforcer question production, pour renforcer question sécurité d'emploi en pays. Parce que l'homme investit, il faut que l'entreprise lui fasse protéger. Moun bagin wa boulel, quitte son entreprise publique, quitte son entreprise privée. Mais nous remarquons, Jean, docteur a dit, ça, ce n'est pas préoccupation pendant plusieurs années de monsieur qui a fait politique, son question, retire au météo, Jean-Robert dit, Jean-Robert, bam, font coûte dans le pouvoir, alors que les vrais problèmes du pays, hein, le docteur a posé là, ça veut dire solution là, mais malheureusement, politiciens, nous, c'est l'autre route qu'il a cherché et qui pas qu'à mener nous vraie solution côté monde a besoin de travail, il a besoin de manger, il a besoin de l'école, il a besoin de bon centre de santé. Je vais me passer au micro. Oui, et moi-même bien content et sous Ang Michel traiter question.
Et effectivement, il n'y a pas de solution. Même j'en ai fait dernière émission, nous disait confusion totale, surtout ça me fait avec moi-même. Et en plus de Mathieu, c'est la confusion, nous pas raconte côté nous parler. Et nous toujours dit tout dans toute émission nous fait, elle a parlé de 1054 comme vision pour nous, mais un pays qui son pays les phares du monde, qui ont une démocratie solidaire, qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et là, Michel a fait tout parcours, toute explication là-bas, nous là, c'est un cheminement pour aller vers solution. Et bien content, Jean, il y a des questions. C'est pour des raisons, ça, parce que l'IGET en dégage un ensemble de perspectives, tout. Et lui-même, en fonction de surtout lié à l'agriculture, mais aussi lié à la production globale. Dans ce sens-là, nous penser, nous croyons tout, c'est ou pas capable d'apprécier ces solutions politiques là, ce wagon programme bien ficelé pour l'heure où je finis une solution politique là, pour garder pour voir comment ou pas appliquer le programme ça pour nous avancer. Et ça, nous toujours répété dans l'émission ça, Horizon 2054, et nous bien content, même le Michel, pas peut-être qu'on suive l'émission, mais l'idée de retrouver nous-mêmes tout. Mais même si ça, quand même, et n'a dégagé quelques perspectives, un, deux, trois. Je pense que c'est important pour nous faire. Et Michel, on connaît ces derniers temps, il y a un problème qui était posé qui réunit tout Haïtien, c'est le canal Massacre. Et actuellement, il reprend le canal là, il commence à mettre porte, il commence à faire une série de bagages. Je fais une vidéo pour me dire, on nous prend prétexte canal Massacre pour nous lancer un grand programme agricole pour Haïti. Parce que nous avons pris deux exemples, nous dit que Haïti, et à cause de problèmes qui te gagnent dans COVID, Haïti te rendu compte, plus gros point de faiblesse qui gagne, c'est manger, il importer trop de bagages à l'extérieur. Et tout à l'heure, tu as parlé de durée, qui est déjà durée à vous compter dans 300-400 millions de dollars là. Donc, nous te dit, il faut nous axer tout programme, nous, sur un programme de sécurité alimentaire. Le deuxième bagage qui est là, alors, toujours avec la République dominicaine. Là encore, frontières fermées, nous avons pile problème encore parce que nous dépendons trop de l'extérieur pour manger, nous. Et là, il y a toute information, ça et de jeunes qui ont ça, bon, pile espoir, je connais toute information, ça bien content. Mais maintenant, on regarde le même secteur, ça, secteur agricole. Idée pas nous, moi-même avec Rénal, qui fait émission, ça, c'est tout basé. Comment nous allons relancer ce secteur agricole là en priorité pour nous arriver à atteindre 88% de souveraineté alimentaire qui est dans le document que CNS a fait en 2018 et qui ça pour nous a fait à partir d'aujourd'hui hein, pour nous atteindre ça au moins dans les 30 prochaines années, peut-être avant les 30 prochaines années, pour nous atteindre 88% de niveau de souveraineté alimentaire. Ou même qui compte dossier ça bien, ou même qui saute dans une série d'explications là, en tant qu'ancien secrétaire d'État, en tant que personne qui travaille dans le domaine ça, comment ouais, bagaille ça? Bon, il y a plusieurs bails qui vous faites. Premièrement, il faut nous connaître que nous produisons. C'est vrai que 80% non du riz nous manger, c'est du riz importé. Mais 80% non maïs nous manger, c'est maïs local. C'est vrai que 80% non poule nous manger, c'est poule glacée étrangère. Mais 100% de cabrit nous manger, 97% de viande de bœuf nous manger, c'est viande locale que y est. Et nous sommes capables de faire des comptes comme ça pour différentes productions nous gagnons, et nous avons que grand pile produit que c'est local que y est. Nous pas importer patates, nous pas importer poire. Jusqu'à présent, 75 à 80% de poire nous manger, c'est local que y est. Nous pas importer viande cabrit, nous pas importer viande bœuf. Donc produit ça yo démontrer nous que nous ka produit et que nous continuer produit et que faut nous protéger production ça yo pour que ça crive dans duria, li pas arriver dans yo tout. Et comment ça crive dans duria le faire arriver? Eh bien c'est parce que tu as un choix de une politique commerciale qui t'est faite délibérée pour te dire n'a pas quitter duria rentrer. Qu'on y en a au niveau de disposition économique, il faut que gagne une rupture qui fait, et rupture ça, elle est écrite dans tout document que l'État haïtien rédigeait
depuis plus de 20 ans. Yes. Et il réécrit encore dans le document ça de CNSA. Et même la BID qui était participé dans bail haïtien, gouvernement haïtien, pression pour ouvrir commerce là à produits étrangers, même la BID, depuis en 2016, il reconnaît que c'était une erreur et que ça crasait l'économie. Qu'on y a là, là, il reconnaît son erreur et que tout gouvernement parlait de production nationale. Mais il faut qu'on mette les moyens. Premier bagage pour faire, il faut qu'on conséquent avec ça. Est-ce qu'on connaît que l'État haïtien déjà avisé OMC que l'IPRA a changé politique tarifaire, que qu'on y a là, l'IPRA a recommencé taxer produits étrangers? L'État haïtien fait, parce que faut être averti en bonne faire. Tout pays qui m'a OMC, yo, tout yo dit yo pas un problème avec ça. Même les États-Unis d'Amérique disent pas un problème avec ça. Même président Clinton qui était poussé pour ouvrir et barrière pour durer rentré en 1994, il reconnaît que c'est ton erreur. Bon, kounya la, qui est-ce qui peut fermer une barrière? Nous-mêmes Haïtiens, mais nous ne pouvons pas fermer le comme ça, parce que nous connaissons le problème ça posé. Mais il y a des bagailles qui ont fait. Par exemple, moi, songez, nous avons fait une grande réunion dans BRH, dans la Banque de la République, qui a financé la recherche qu'on y a là en Haïti, il faut me dire ça. Eh bien, tu as une proposition, côté tu as gagné des commerçants, importateurs, tu as gagné des producteurs du riz, nous sommes d'accord pour nous mettre taxes sur du riz blanchi, mais pas sur du riz pas dit, en façon pour encourager les gens qui importent du riz pour mettre des moulins. Et puis, depuis, on finit de mettre moulin pour y aller, on vient augmenter la capacité payée pour être capable servir avec du riz local, parce que du riz local a un problème de qualité et de moulin tout. Donc, ça veut dire qu'on a une stratégie côté on a rétabli la taxe, petit petit, pendant que on a augmenté la production. Mais il faut commencer. Si on ne peut commencer, on ne peut pas aller jamais résoudre le problème, non. On ne peut pas le faire sous toute production en seul coup. Ou pas obligé de dire que ou pas empêcher pour le glacier entrer dans le pays. Mais on doit demander aux commerçants qu'on y a là, ouais, on poule qui gagne plus que 6 mois glacier, il ne peut pas entrer dans le pays. Il faut porter poule qui frais. Le ça, ou pral bail, on poule qui ont des gens plus frais, qui meilleure qualité, qui ont des gens plus chers. Mais ça pral bail possibilité pour que jeunes ça yo, que nous t'a parlé à qui voulait investir dans la production poule, pour eux-mêmes, ils prennent part du marché tout. Autrement, ou pas qu'à poules qui sont déchets, qui gagnent 2 ans, 3 ans gelés, et pour la gueule sur le marché, et pour pouvoir faire compétition avec un baril comme ça. Après ça, ou capable d'imposer des autres règles sanitaires. Poules congelées, ou pas supposé déglacer l'environnement. Pas d'aucun côté dans le monde ça fait, parce que on produit qui gelé, c'est consommateur final là qui pour retirer la glace. Exact. Lorsqu'on retire la glace avant ça, il y a une possibilité de contamination et on peut le réglacer avec tout microbe. Donc, on pas le droit de faire ça comme commerçant. J'en prends l'usine et qu'on s'approuve. Mais comme ils ont acheté une grosse boîte pour glacer, qui n'est pas même faite pour consommation individuelle, c'est pas ils ont fait pour usine, usine qui a fait saucisse, usine qui a fait manger chien, c'est ça qu'ils ont importé en Haïti, et bien, quand on y a là, ils sont obligés de détailler. Donc, ils viennent pas respecter la réglementation sanitaire. Ou t'as gen droit dit comme gouvernement qu'on y a là pour glacer, pas de problème, mais faut que son poule qui récemment glacé et faut venir dans l'emballage individuel pour que yo capable respecter règles d'hygiène. Le ça la pour 20 ou 30% plus cher, mais ça bail possibilité pour un jeune qu'on y a là investi dans produit poule dans pays. C'est des mesures comme ça qu'on gen droit à décider qui ka permettre tout reprendre souveraineté, parce que souveraineté a li pas fait sans sacrifice et sans intelligence. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de créer l'autre crise, parce que au fond bagaille, le conseil faut chita avec moun qui compte secteur dans chaque domaine. Et c'est ça que qui te permet nous avancer sous quelques problèmes dans le pays. Le nous te fait mes frontières à produits dominicains. Un produit. C'est chita, non, on ne pas parler de ça, on ne pas parler de produits avicoles, yo, le te gen grippe Oui. aviaire. Mais c'est chita, nous te chita avec agriculteurs pour nous étudier le problème, non? Et ensemble, nous te jouons nos solutions. Qui fait que production ZEA de 2011 à 2018, multiplié par 20, nous passons de 1 million ZEA par mois à 20 millions ZEA par mois, nous te récupérer 50% dans le marché.
Bon investissement de plus de 10 millions de dollars qui fait. Et ça, ce n'est pas l'État qui investit, c'est privé qui investit. Pour qui ça privé investit? Parce que l'État, t'es un petit genre bloqué, les Dominicains, parce que les Dominicains, t'es avoué que y a une maladie là, caillou. Donc, où prend mesure, ça encourage l'investissement privé. Conseil de bagaille pour l'État fait, qui pas mandé l'argent, il a juste mandé volonté. Ou prend décision ça. L'OFIN prend décision ça. Secteur privé, il prend l'opportunité, la pentrée la donne. Mais il faut créer opportunité pour que secteur et privé a rentré la donne. Et on l'autre bagaille qui est très important, moun qui n'en privé, tant que si monsieur dame sa yo qui n'en lapin fait quelqu'un, même toujours dire ça, c'est pas seulement son groupe WhatsApp. Il faut que nous, Chita, nous définissons qui s'en attend dans l'État. Pas l'argent, non. Mais en termes d'appui technique, en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de marché, pour que nous passions d'un stade que chaque monde a fait si investissement, yo, où nous faisons force, mais force là, c'est une force de l'idée, de volonté. Donc, dans la société, nous avons un gros problème tout, c'est que nous ne mettons pas tête ensemble. N'a pas critiqué les politiciens, yo. Mais c'est un domaine, politiciens, yo représentent des groupes organisés, yo représentent des gens qui mettent tête ensemble pour yo faire un gros et puis yo voyons un monde dans la politique à le représenter, yo. Mais là, politicien lui-même, son investissement, il fait personnel pour être capable de jouer deux, trois votes. Là, il finit sous pouvoir, mais seul ça le fait, c'est occuper, rembourser l'argent qu'il a investi. Mais là, qu'on y a là, c'est secteur organisé. Donc, ça veut dire que tout secteur qui existe dans le pays, que ma parole là, que ce soit producteur lapin, producteur poule, producteur jury, faut que vous organisez pour vous faire voir, pour vous des voix. Parce que là, vous pas organisé, vous pas représenté rien, ou grain sec. Et vous toujours dit, yon seul doit pas jamais qu'à manger la calalou. C'est Voilà. notre tête ensemble que vous dit, mais en pile, chat pas loup. Et Donc, ça veut dire son responsabilité pour chaque secteur organiser tête li pour capable développer vision pâle. Pour après ça, moun ki vle al fè politik nan mitan yo, al fè politik, mais avec un projet que yo te créé grâce à une réflexion et à une action que yo te fait ensemble. Parce que, pas tant pour son politicien, qui par contre, an yon an bay sa yo pou lite, et puis l'écrit un programme pour contre li. Là, nous gagnons un attentisme qui pas bon, faut nous-mêmes comme citoyens, dans chaque sa n'ap fè, nous capables prendre responsabilité nous, et puis proposer. Et merci. m'a gardé Jean-Robert, par exemple, je pense qui est-ce qui rapporte nous ça. Par exemple, au niveau de la République dominicaine, que si M. Toury lui qui était persécuté, eh bien, ils mettent tête ensemble, ils mettent des corps ensemble, ils ont formé une grosse université pour continuer à former cadre pour permettre parti à des prendre j'arrête. Et là, m'attendait docteur là, et m'a gardé réalité là, moi, là, quand nous avons des politiciens manifestants, nous avons besoin de politiciens qu'on y a qui ont des capacités techniques, qui comprennent que pour l'ensemble de enjeux, ensemble de problèmes dans le pays, il faut faire appel à des cadres de l'université, des cadres qui font expérience. Et c'est là que nous gagnons faiblesse. Parce que lors de manifestations toute la journée, on va respirer la fumée. Mais Donc, c'est au niveau de... au même comme cadre qui peut prendre responsabilité. Parce que la nature, pas j'aimerais même vide. Ça Ah veut ouais. dire que c'est ou même en tant que citoyen ou engagé dans le secteur ou pas organisé, mais il n'y a pas de attendre. Et c'est secteur organisé ou qui voyait. On président en coulou là. Mais monsieur, c'était un soudeur, c'était un métallurgiste, il était un syndicaliste, juste en arrivé candidat pour combien de fois jusqu'à ce qu'il devienne président deux fois. Mais ce n'est pas un politicien le théier. C'était avant tout un syndicaliste, un dirigeant d'un syndicat métallurgique. Et c'est engagement dans le syndicat, là, dans le secteur pâle, qui fait que il devienne s'allier aujourd'hui. Donc ça veut dire, moun qui est dans le secteur qui est dynamique, il faut yo joindre moyen pour yo capable de travailler plus ensemble, pour yo même c'est yo qui pour accoucher, c'est yo qui, même qui pour bail projet politique qui lié à secteur par yo. Et c'est tout différents projets ça yo qui pour yon là pour le bon projet national.
Mais ce n'est pas l'État, c'est les politiciens qui font le Et ça, système. tu avais dit tout que le secteur de la société civile organisé, parce qu'il y a deux mots, l'esprit, l'intelligence et organisé. Deux mots sont retournés souvent. Ça veut dire secteur de la société civile organisé, c'est-à-dire quitte ces secteurs économiques, secteur intellectuel, secteur étudiant, il y a besoin mieux organiser pour qu'ils permettent la société à marcher bien. Jobert, nous presque arrivés dans Non, nous la y venons, nous y venons enfin, puisque ça passe. Et Michel Bon, Terre. l'autre exemple d'activité qui fait. En 2011, secteur organisé dans la production de lait, ils ont mis tête ensemble et puis ils ont abordé problème volé bête. Ça dit que avec et ça nous a fait, nous avons réuni différentes organisations et nous faisons un grand colloque. Et tout le monde te vient porter une solution pour identifier. Nous, c'est comme ça que nous sommes venus avec solution pour nous mettre dans nous dans les oreilles. Et jusqu'à présent, solution, ça l'a toujours. Il y a près entre 12 et 15 000 nouveaux bœufs chaque mois qui identifiés. Et chiffre, ça, ils ont prouvé parce que c'est l'argent, parce que nous avons payé pour l'identifier bête. Et donc, ça veut dire qu'il y a près de 1 100 agents vétérinaires qui, chaque mois, ont identifié bœuf dans le pays. Et ça, son solution, contre vol bête, que Mounio est venu avec, et c'est société civile là qui est venue, et qui t'a fait ministère de l'Agriculture, t'es adopté solution ça. Ça veut dire solution problème, pour solution pour voler bête, il t'est sorti dans la société, dans l'organisation, organisation KAZEK, organisation agent vétérinaire, tant qu'on était avec. Organisation paysan, producteur lait qui gagne bœuf, tant qu'on est dans l'état robot, c'est tout le monde sérieux qui t'est venu avec des solutions. Donc, c'est seule marche à suivre pour moi-même. Et nous, ouais, même dans la sécurité, nous, ouais, que bon paquet de quartiers qui organisent tête, eh bien, nous prenons responsabilité. Donc, c'est nous-mêmes comme citoyens qui pour prendre responsabilité, nous, c'est pas rôle politicien pour compter pour décider ce qui va passer avec le pays. C'est nous tous en tant que citoyens. Merci Michel, et nous bien content et je vais avoir des questions yo, et ou ben nous en pile idée là tout et en pile monde qui va suivre vidéo ça. Il va suivre émission ça après, après en pile idée. Et nous bien content tout et côté positif et je vais présenter bah, parce que dans l'information voilà nous pas connaît et un pile monde n'a pas pas connaît et le monde qu'on a pas l'apprendre toute bagarre ça va l'inspirer un pile monde et m'a espéré l'inspirer politicien et tout et m'a espéré tout un pile dans jeune ça et tout qui fait travail ça et tout choisi pour faire la politique pour pas scléroser nous-mêmes gens ont fait nous-mêmes là nous étions jeunes. Peut-être dire nous-mêmes, pas dans la politique, pas dire nous dans la politique, nous avons mouru. Et ça, c'est l'époque du Duvalier. On y a fait nous encourager une série de secteurs organisés à entrer dans la question politique. Rénal, tu peux fermer là. Bon, nous venons faire, et moi, moi, nous, et dans l'émission, c'est responsabilité qui est Responsable. importante. Deuxièmement, la production agricole qui ont souci La pour production qui crée nationale en job, général, pas en seulement. général, pour qui combattre la misère. Et le dernier mot, c'est l'organisation. C'est organiser société civile, là, secteur économique, là, secteur politique, là, secteur intellectuel, là. Donc, problème, nous, je veux dire, c'est un manque de responsabilité de chaque secteur. Ça. Et si chaque secteur ça, prend responsabilité et oppose des problèmes, non bien, je pense que 2054, j'en espère là, nous avons l'autre Haïti. Merci, docteur. Nous espérons pas la première fois, nous avons trop. Et nous espérons dans l'autre émission, nous avons mettre mes sous. Parce que si ça nous joint, nous pensons qu'il y a plus toujours que nous avons appris. Merci, à la prochaine. Oui, d'accord. Je demande à tout le monde qui a suivi l'émission, l'attendez, peut-être des commentaires, poser des questions. Ça va permettre de nous continuer à l'émission. Like l'émission, ça va encourager nous. Merci, à la prochaine. À À la la prochaine, prochaine. sur cette chaîne.